Salut tout le monde, c'est Jinji, on se retrouve pour l'acte 2 des vidéos sur les héros, les protagonistes et les personnages illustres. Donc en premier, on a parlé de la définition et aussi de comment ils s'ancrent dans le JDR. Maintenant, on va passer à l'acte 2, c'est-à-dire qu'il s'agit de traiter, comme vous avez sans doute vu dans le titre, une véritable réflexion autour de la notion du protagoniste et du héros, parce que on a mis les deux définitions ensemble, le héros a ces deux définitions, mais ont-ils vraiment besoin d'être mis côte à côte? Voilà. Sont-ils pas différents? Donc, vous êtes les héros de votre propre histoire. C'est un truc que j'ai souvent dit, et en fait, je me suis rendu compte que c'est un abus de langage. Je sais que je suis pas le seul à le dire en plus. C'est un énorme abus de langage parce que finalement, est-on... J'ai parlé de qui est dépositaire de l'adversité. J'ai dit qu'indirectement c'était nous, mais par contre, est-ce que c'est à nous de nous définir en tant que héros? C'est encore moins le cas. Hein? Voilà, il faudrait vraiment être quelqu'un d'hyper narcissique pour pouvoir le penser. Donc, il y a un contraste qui se crée entre... Finalement, les deux figures, il y en a une qui a un repère moral et il y en a un autre qui finalement est neutre. Il est sans doute au cœur du récit. Mais il y a un point essentiel dans la partie du protagoniste qui ne relève pas des définitions qu'on a données avant, elles sont très bien, c'est que, je vous en avais parlé aussi dans l'acte 1, s'il y a bien un truc qui peut changer, c'est que l'implication humaine dans une définition peut radicalement la changer. Alors, de quoi je veux parler exactement? Combien de gens vous avez vu, combien de récits vous avez entendu, de personnages qui sont des héros et qui ont saccagé une taverne, une ville ou tué des personnes parce que les gens ont refusé de répondre à leurs questions et se définissent comme les héros? Voilà, maintenant que vous avez réfléchi 3 secondes, vous voyez où je vais en venir avec ça. C'est très facile de savoir où je vais en venir. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, la notion de valeur du personnage, ou même, c'est un truc que je viens d'y penser à l'instant, mais aussi de ce que propose comme expérience le jeu de rôle, peut définir ou pas les éléments qui feront en fait le cordon de l'endroit à ne pas franchir finalement. Je vais devoir reformuler cette phrase parce que franchement, je la sens un peu bateau. Ce que je veux dire, c'est que le comportement des joueurs, qui est déjà assez spécial pour la plupart d'entre eux, plus les éléments de mécanique qui peuvent être inhérents au système et au gameplay d'un JDR, peut venir mettre un cordon qui expliquerait la ligne à ne pas franchir. Je vais prendre l'exemple du paladin. Le paladin, c'est un héros, c'est pas seulement un héros parce que gnagnagna les définitions d'avant, c'est un héros parce qu'il est souvent amené à faire de grandes choses, parce que la cause qu'il a est une cause divine. Est-ce que c'est des gens en la hissant parce que c'est une cause divine, ces gens, c'est-à-dire ses alliés, qui vont considérer que c'est un héros? Est-ce que c'est le dieu qui va le considérer comme un héros? Quel est le poids du dieu dans la définition du héros? Toutes ces choses-là peuvent être légitimement être des éléments qui peuvent être considérés comme porteurs d'héroïsme. Le personnage peut être un héros juste parce que c'est un paladin et qui suit le chemin de son dieu, et que son dieu ou encore son temple, son église, accepte de le faire rentrer dans le canon historique de la religion qu'il est en train de défendre, ou du dieu qu'il est en train de dont il est en train d'être le messager, l'intervenant, le champion. Voilà, c'est un truc qui est assez intéressant. Et de la même manière, est-ce que le prêtre aussi c'est la même chose? Ben non, je pense pas que le prêtre soit la même chose. Pas parce qu'il n'intervient pas, parce que les prêtres sont souvent de bons personnages dans les jeux de rôle, et surtout qu'ils sont puissants, si on rentre dans les modèles un peu des systèmes des vins. C'est plutôt que son but aussi, quand il est prêtre,
c'est aussi de faire connaître sa divinité. Et quelqu'un qui a un poids lui-même sur le sur justement sur les éléments qui viendraient magnifier l'image du héros, bah, ne peut pas être prétendre être un héros par rapport à la définition qu'on a dit avant. Est-ce que peut se définir comme un héros? Le prêtre est inéligible à être un héros. Par ces moyens-là, j'entends. Après, il peut y avoir des hauts faits ou certains éléments qui pourront, en fait, en fonction de l'état et des décisions de son groupe, peut devenir et voire même s'imposer un héros en faisant la différence. Donc, à ce moment-là, il y a un petit truc technique dont je vais parler et qui a un nom assez pompeux mais qui a un énorme poids qui me permet de définir la définition définir la différence entre le protagonisme et la figure héroïque. C'est la pérennité substantielle dans la mémoire des joueurs mais aussi aux yeux de l'histoire de la campagne. Je vous avais dit que c'était pour ça avait l'air pompeux. Ce que je veux dire par là, c'est que combien de personnes connaissez-vous qui jouent au jeu de rôle et qui finalement ont sauvé une princesse, ont combattu un dragon, ont empêché l'apocalypse, ont vaincu le mal, ont changé le monde de par leurs aventures? Évidemment, il y en aura qui me diront que oui, mais des fois, les changements et l'implication, ça peut se faire différemment. Je peux donner un très bon exemple de ça, c'est par exemple si vous jouez dans une franchise connue, genre Star Wars et le Seigneur des Anneaux, la plupart du temps, pour éviter de nuire à la mythologie de l'œuvre, pour les lecteurs et pour les gens qui veulent consommer du Seigneur des Anneaux tout en faisant partie du récit, on vous considérera moins important que Frodon, moins important que Sam Genji, Caragorn, tout ça. Vous voyez un petit peu où je vais en venir. Et dans Star Wars, c'est plus ou moins pareil. C'est un exemple qui fait que ça peut être une zone grise. Mais des personnages qui ont changé le monde, des MJ qui avaient pour ambition de leur faire vivre une grande aventure, forcément pour éviter des fois soit de frustrer les joueurs, soit tout simplement de vraiment rendre le truc héroïque et qu'ils voulaient construire, le MJ avait une vocation dans sa campagne à construire de véritables personnages. Qui finalement à terme deviendront des héros parce qu'ils ont accompli des gros faits. Toutes ces choses-là font que, historiquement parlant, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être considérées comme des héros dans le jeu de rôle. Sauf que, si vous connaissez autant de personnes qui jouent au jeu de rôle, ben vous finissez par vous rendre compte que finalement, des héros, il y en a des tas en tant que joueur. Voilà. Il y a des tas de personnages héroïque. Et c'est pour ça que je voulais dire qu'il y a une pérennité substantielle dans la mémoire des joueurs. C'est-à-dire que s'ils ont été intronisés en tant que héros, s'ils sont une figure héroïque, s'ils ont fait la différence en maintenant un certain système de valeurs, en excluant évidemment les El Famoso personnes qui pètent un câble dès que les PNJ vont à l'encontre même pas à l'encontre, qui ne répondent pas aux besoins des joueurs. Je pense que c'est ce qui devrait être dit. D'ailleurs, je me permets d'annoncer, je vais bientôt faire un remake des vidéos que j'ai fait sur les PNJ. Je vais réactualiser un peu tout ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, en écartant ces gens-là, bah finalement, s'ils sont des héros, ils sont des héros. Mais est-ce que venir parler, par exemple, on dit souvent que les héros doivent être loués. Quand je dis louer dans le sens louange, voilà, excusez-moi, peut-être j'ai utilisé le mauvais mot, mais je pense que vous avez vu, il doit être chanté, il doit être célébré, il doit être machin, et je me demande si c'est pas ce comportement là qui pousse les joueurs à vouloir parler à d'autres joueurs de leurs aventures. Et pour moi, il y a deux problèmes qui viennent avec ça. Quand ils viennent parler des autres joueurs, si les autres joueurs sont des joueurs de jeu de rôle, ben ils vont peut-être vous écouter que d'une seule oreille, parce qu'ils auront peut-être vécu quelque chose de similaire, vous viendrez à faire des comparaisons, et après ça part dans des dialogues qui font un peu penser à des dialogues de sourds, comme si une personne dit quelque chose, l'autre personne dit quelque chose, et en fait, c'est émetteur, récepteur, interruption.
émetteur, récepteur, interrupteur. Vous n'avez pas eu ce genre de conversation-là quand vous parlez de jeux de rôle à d'autres personnes? Moi, je n'en ai pas eu, parce que c'est vrai aussi que quand je joue à un jeu de rôle, je joue au jeu de rôle que j'ai créé, et que comme il se passe des choses qui sont très très différentes, même tout genre confondu, donc les aventures que je ne raconte pas d'ailleurs, je raconte ça que si le sujet a déjà été lancé. Comme je l'ai dit, je suis très mal à l'aise vis-à-vis du fait de parler de mes propres parties, parce que il y a un caractère narcissique aussi un petit peu, enfin narcissique est un mot un peu gros, un caractère égocentrique, déjà mieux. Il y a un caractère égocentrique dans le comportement des joueurs qui fait qu'ils sont tout le temps en train de parler de ce qu'ils font avec leur personnage, mais ne parlent pas tant du contexte. Et en plus de ça, ils excluent les autres joueurs et leur implication. C'est pour ça que je n'aime pas parler de mes parties quand je suis joueur. C'est parce que si je dois vous donner le contexte de l'univers, le contexte de la partie, mais en plus de ça, je dois vraiment mettre en place, expliquer aux gens de quoi il est question. Je dois tronquer pour parler d'un exemple, et ça c'est la limite acceptable, mais en général, je n'aime pas parler de mes parties. Ah ben justement, si ça vous est déjà arrivé, c'est parce que justement la pérennité n'est que substantielle dans votre mémoire. Vous êtes un héros dans la fiction, dans la diégèse, ou peut-être entre vous à la table vous considérez que vous avez fait des choses héroïques, surtout pour les plus impliqués d'entre vous, on va y venir. Et ce qui va être important n'est important que pour vous. Vous avez sauvé la princesse, peut-être que quelqu'un l'a déjà fait, peut-être que ça le saoule. Il aura la courtoisie de vous écouter. Mais dans les faits, ça ne changera pas le fait que soit c'est du déjà vu, soit c'est du déjà vécu, soit finalement la personne n'est pas impliquée. Je pense que c'est très très important. Par contre, se poser en héros, c'est une bonne chose, mais finalement... le protagonisme peut être au-dessus du héros, parce que souvent on veut essayer de hiérarchiser. Si vous avez tenté de hiérarchiser le protagoniste, le héros et le personnage illustre, probablement que le protagoniste, comme c'est quelque chose qui est obligatoire, peut-être que ça tombe en dessous. Mais en fait, un protagoniste peut être peut avoir beaucoup plus de poids qu'un héros ou un personnage illustre. Tu racontes l'histoire d'un héros et de ce que tu as fait de grandiose. Des gens ont peut-être déjà vécu ou entendu parler de ça, enfin, dans d'autres tablés. Le personnage illustre, c'est « j'ai changé le monde de l'univers en faisant ça, ça, ça ». Alors là, c'est encore plus casse-gueule, parce qu'il faudra aussi prendre en compte que à quel point l'univers et le matériau de base est respecté, ce qui est chiant. C'est pour ça que je ne jouais pas à des jeux qui, par exemple, respecteraient scrupuleusement Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux. En gros, les grosses franchises qui sont figées, les fans peuvent être hardcore et un peu, si je puis me permettre, un peu féroce dans leurs réponses. Voilà. Ah ben, du coup, le personnage illustre, il a du mal à s'ancrer. Mais par contre, le protagoniste, ce que tu as joué, c'est très important. Parce que finalement, parler de tes grandes aventures, de tes grandes choses, c'est une chose. Mais des fois, parler de ton personnage, de comment tu l'as défini, de comment tu l'as construit, comment tu as avancé dans la campagne, pourquoi sa personnalité a changé. Parler de processus, c'est finalement ce que je dis à la plupart de mes amis et de mes joueurs, c'est que souvent, un moyen de savoir si tu as eu une bonne partie ou si quelque chose est intéressant, refais le processus dans ta tête de manière dézoomée à une échelle de recul plus élevée, avec de la distanciation. Je lui dis, ok, tu ne comprends pas ça? Eh bien moi, je vais te l'expliquer. Si tu dézoomes, ton histoire, c'est quoi? Posez-vous cette question, joueur ou MJ, vous verrez, ça va vous aider. Vous dites, en dézoomant votre histoire dans le gros, c'est quoi de l'ensemble? Et à ce moment-là, quand tu vas finir par raconter quelque chose, tu vas inspirer les gens, tu vas leur permettre de comprendre comment tu as construit le personnage, pourquoi ce comportement-là et pas un autre, parce que on réagit des fois pas de façon logique. Hein. Dans un récit, tu peux voir qu'il y a un processus qui t'est montré. Dans la narration, on te montre que le personnage, même s'il a certaines valeurs, il peut abandonner ses valeurs alors que ses valeurs sont bonnes, parce qu'il a peut-être une façon de penser qui n'est pas en accord avec cette image-là qu'il avait, et que c'est cette image qui a changé.
Ouais, un gars qui a été facilement moqué ou peu estimé, qui devient un traître, tu sais qu'il devient un traître. Mais y avait-il d'autres moyens de montrer qu'il est un traître? Était-il obligé d'être montré avec des petits indices parsemés pour dire il va devenir un traître? Ce manque de subtilité l'a fait un peu mal dans les récits récents, mais dans le milieu du jeu de rôle, c'est encore plus signifiant. Voilà, c'est de ça qu'on peut parler. Et du coup, qu'est-ce qui peut manquer entre les deux définitions? Bah, ce qui peut manquer au protagoniste, c'est l'implication. Parce que le protagoniste, ou plutôt la vision du protagonisme, dans l'idéal, c'est quoi? C'est que tu respectes les trois grandes valeurs du joueur parfait, ou du très bon joueur, ou du joueur essentiel. C'est quoi les trois grandes valeurs? Je vais vous les donner. C'est un joueur qui est constant et qui a de la présence, c'est-à-dire qu'il est assidu, il est ponctuel et il est constant. Ensuite, il y a la deuxième qui est la figure de rentrer dans un univers et le faire sien, et peut-être même apprécier cet univers au point de vraiment commencer à avoir des réflexions. Et le troisième, c'est la troisième notion qui est la plus-value. On en parlera à l'acte 3, c'est beaucoup mieux comme ça. Et donc du coup, cette implication, si tu n'as pas assez, s'il y a des valeurs qui manquent, bah c'est pas important. Par exemple, il y a des choses, quand on te dit faire sien l'univers, donc la deuxième valeur, bah pour certaines personnes, on a vu pour le cas des gens qui massacrent des PNJ, prendre les PNJ parce que selon eux, ils ont juste une fonction et qu'ils n'ont pas d'histoire derrière, est une erreur. Si le MJ a fait quelque chose qui laisse penser ça, le MJ a un problème. J'ai une vision du PNJ qui est assez importante. C'est-à-dire que le PNJ, c'est l'autochtone de sa propre histoire. Mais par définition objective, ça l'est, il n'y a pas de problème. Tout comme il peut avoir un passé, un présent, un futur, c'est encore objectif. Mais le traitement du PNJ peut être très très différent pour le PNJ de plusieurs façons. Un PNJ peut évidemment peut servir à montrer d'autres mécaniques que les joueurs n'ont pas prises. Il peut être utile pour raconter une histoire. Il peut être utile pour finalement s'intégrer dans ce scénario, avoir une fonction. Mais un PNJ peut être plus que ça. Rien ne dit que le PNJ ne peut pas être plus que ça. Mais pourtant, la définition qui est objective, que le PNJ est l'autochtone de son propre monde, qu'il a une histoire derrière, tout ça c'est vrai. Mais par contre, même s'il y a cette réalité factuelle, le MJ peut très bien éluder ce principe. Et c'est ça qui va rendre la chose un peu chiante. Donc, le PJ, lui, en interagissant avec des PNJ, donne plus de volume au personnage et impose au MJ de donner plus de volume au personnage. S'il ne donne pas plus de volume alors que votre intention était vraiment de rentrer en contact avec un personnage, ok, je pense que les personnages qui sont mythiques, les personnages qui sont cool, les personnages qu'on veut revoir, les personnages avec lesquels on veut traîner, sont des personnages qui sont complexes. Moi, tous mes personnages ne sont pas spécialement complexes. Mais ils ont tous ces éléments-là qui sont censés être là. Ça m'est arrivé, évidemment, de faire des PNJ qui sont vides, qui sont des archétypes. Mais la prochaine partie où on les voit, passé, présent, futur, ou plutôt passé, présent et futur avec les gens avec lesquels ils vont évoluer, que sont les PJ, c'est déjà mis en place. Voilà. Et le truc, il se règle. Il se règle avec une facilité déconcertante. J'adore construire des PNJ, mais j'aime aussi que les PNJ se construisent eux-mêmes. Construire un archétype ou une idée, tu le mets dans l'histoire, et puis le chapitre d'après, ben même moi, en tant que maître de jeu, je suis surpris parce que il raconte des histoires, il a des choses à dire. Encore une fois, je le dis, quand j'ai déjà parlé de ça, mais on va en parler tout de suite rapidement. Quand je m'assois et je ferme les yeux, ou quand j'ai besoin de me concentrer, tout ça. Je peux visualiser des choses vis-à-vis de mon univers, je peux poser des questions, le problème se règle.
Il y a des points de règle qui seraient différemment, mais en tout cas, tout ce qui est récit, on voit qu'une histoire s'est construite derrière au fur et à mesure du temps. En arrière-plan. Et ça fonctionne. Mais, si on exclut cette vision-là, le maître de jeu, vous devez, je parle des joueurs, le maître de jeu se doit d'avoir présenté des choses et de vous donner suffisamment d'éléments pour une mise en contact efficace. Quand un scénario est scripté, à ce moment-là, je veux bien comprendre, scripté et surtout consentant, forcément, pas à l'insu des joueurs, ça va. Que les PNJ ne soient pas travaillés, ok, je veux bien comprendre. Mais si vous êtes en campagne, travailler les PNJ est une attribution du MJ. Voilà, pour moi, c'est son boulot. Voilà. Et le héros, ben, quand tu regardes sa définition, ben, finalement, c'est ses échos qui vont faire de lui ce qu'il est. Ce qu'il a accompli, il l'a accompli. Si un joueur veut continuer la campagne, parce qu'on parle autour de la table maintenant, s'il veut continuer la campagne, il continuera la campagne. S'il est considéré comme un héros, ça ira. Mais les gens qui étaient avec lui aussi, possiblement, ont été des héros jusqu'au moment culminant. Mais si les gens vous estiment comme des héros, je parle des PNJ, ben, ce qui risque de se passer, c'est que très fortement, à de très très fortes chances, que ce soit... que ce soit forcément par écho que les gens vous considèrent comme des héros. C'est-à-dire que vous impactez sur la vie des gens en fonction de vos hauts faits. Et d'ailleurs, c'est tout un problème, parce que s'il y a bien un truc que j'ai remarqué concernant le jeu de rôle, c'est que quand un maître de jeu veut poser des gens en héros après avoir accompli des hauts faits, des fois pour rendre justice aux joueurs, dans le sens, quand je dis rendre justice, c'est pas vraiment rendre justice, je devrais utiliser les bons mots, c'est restituer le niveau d'implication des joueurs et aussi récompenser l'investissement dans la partie et dans la campagne de manière juste, avec justesse. On entend. Parce que moi, je sais pas combien de fois ça vous est arrivé, mais moi, j'ai déjà fait une partie. La récompense n'était pas à hauteur des efforts qui ont été fournis par tous. Et que j'ai bien fait attention de demander les éléments de valeur de cet univers. J'ai vu que ça ne rendait pas compte. Le MJ, il est resté figé. Il a dit les trucs en boucle. Je lui ai dit, j'ai passé un bon moment. C'était une bonne partie. Mais la fin, elle était merdique. Parce que tu peux faire une partie qui est excellente tout le long. Si tu rates ta conclusion, si tu rates, et surtout que tu es rigide en tant que MJ, ta partie, elle s'effondre. Ne pas restituer, pour le meilleur et pour le pire, on s'entend. Si tu n'arrives pas à restituer à hauteur de ce que les personnages joueurs ont fait, pour moi, c'est un échec pour un maître de jeu. Point final. Il n'y a même pas d'interprétation. Donner plus se doit d'être justifié par le gameplay, par les mécaniques et aussi par les choses qui ont été faites en option. C'est pour ça que des fois on vous parle de barème, et dans les barèmes, pour donner de l'expérience, c'est, tu as le barème principal, les éléments de la partie, mais le secondaire vient ajouter des choses. Et dans le secondaire, tu es déjà beaucoup plus libre. Mais si tu enlèves cette notion, tu te rends compte que si la récompense est trop haute vis-à-vis de ce que le gameplay et le barème te proposent, ou trop bas, c'est est-ce que c'est principal ou c'est secondaire. Et si jamais c'est les deux, parce que je pense que niveau frustration, c'est causé par les deux, ça peut être un problème. Et le MJ, pour moi, n'a pas fait son travail. Voilà. Je vais dire que, évidemment, c'est à ce moment-là où vous êtes censé entendre « Eh, mais c'est mon opinion, c'est subjectif, hein ?» Encore une fois, je l'ai dit, hein, mais ce qui est essentiellement subjectif a quand même des points d'accroche qui viennent justifier des fois cette subjectivité. Par exemple, je vais vous donner un truc, hein. Un exemple.
Je n'aimais pas l'épicé quand j'étais petit. Voilà. Et l'épicé, des fois, j'ai vraiment du mal. Parce que les gens exagèrent quand ils font des trucs épicés. Mais je suis prêt à manger de l'épicé si l'épicé qui permet de brûler les calories, si ça me permet de maigrir. Donc je n'aime pas l'épicé, mais l'épicé a certaines fonctions qui pourraient m'être utiles. Certaines bases solides. Vous voyez ce que je veux dire par là? La subjectivité peut être purement subjective, mais il peut aussi avoir des points d'ancrage suffisamment forts pour justement que votre réponse parte de quelque chose. Toujours. Voilà. Donc j'assume totalement cette opinion. Ensuite, un truc qui fait aussi la différence entre le protagoniste et le héros, et qui envoie encore le héros à quelque chose de beaucoup plus... Finalement, c'est pas plus dévalorisé le héros dans le jeu de rôle. C'est juste que les éléments rendent la posture de héros beaucoup plus difficile. Mais quel est l'élément qui vient vraiment couper le truc et qui fait montrer aux gens, vous êtes les héros dans votre propre histoire si vous en avez envie, mais vous pouvez ne pas être les héros tout court. C'est la différence du comportement entre le joueur, entre le personnage, et aussi, je parle surtout de repères moraux dans le cas précis, et aussi des attentes dans la fiction. Voilà. Je vais devoir donner un exemple. Donc, c'est-à-dire que pour moi, c'est un truc qui est assez. C'est une opinion qui est assez subjective et sujet à interprétation. C'est que pour moi, il doit y avoir un véritable gros trait de transition entre ce que vous êtes, ce que vous incarnez dans le jeu de rôle, et aussi les valeurs d'implication. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des repères moraux qui sont les vôtres en tant que personne, il n'y a pas de problème. Mais par contre, les repères moraux de vos personnages peuvent être identiques que les vôtres. Voilà, ça se discute ou pas, mais il faut vraiment créer ce contraste entre ces trois aspects, de la même manière qu'il faut faire un contraste entre le joueur et le personnage joueur, parce que le personnage joueur, vous pouvez vous transposer dans un univers. Vous pouvez vous projeter dans un personnage, mais ce personnage-là ne sera jamais vous. Et si le personnage ne sera jamais vous, c'est que c'est aussi pourquoi je fais cette remarque, c'est parce que souvent, ils se comportent d'une façon qu'ils ne se comporteraient pas dans le réel. Ce qui veut dire que c'est pour ça que la troisième valeur de l'implication est importante, c'est que quand quelqu'un, on lui dit le jeu de rôle, tu peux faire ce que tu veux, et que en fait il y a des choses sous lesquelles il voudrait déconner dans le récit et qui en plus dessert la partie, ben il va les faire parce que oui, il a envie de les faire, mais il sait très bien en matière de morale, dans l'univers du jeu de rôle, dans la diégèse du jeu de rôle, que de un, ce qu'il fait n'est pas bien, la plupart du temps quand ça arrive, et de deux, que toute action mène à des conséquences. Je crois que c'est François Le Tarte ou Ratburger qui parlait de ça. Je me rappelle plus. Mais il y a des mois, il parlait du fait que il y a des joueurs qui foutaient la merde et puis après ils étaient étonnés de voir les gardes les arrêter. Et puis ils disaient oui, mais on est des héros, on est des personnages importants. Et je pense que c'est ça que je veux vous illustrer. Ce que vous pensez être dans le jeu de rôle, vous devriez vous en battre les couilles, et je devrais dire même. Le MJ ne devrait en avoir rien à foutre. Ce qui est important pour le MJ, c'est qu'il restitue bien les mécaniques de gameplay, les différents éléments, et que ce soit amené avec justesse et aussi avec pertinence. Que vous pensiez être des héros est déjà peut-être un problème, mais un problème que tous les MJ ont fait à un moment ou à un autre, donc c'est pas grave. Et de toutes les façons qu'ils se rattrapent en plus, c'est que vous avez donné de l'importance aux joueurs, et les joueurs sont des personnages importants de leur propre histoire. Pour autant, la façon dont qu'ils ont de se comporter ont des conséquences. Le jeu de rôle, pourquoi le jeu de rôle, l'adversité, c'est la mécanique du jeu de rôle, c'est parce que si tu réussis, il se passe quelque chose, si tu échoues, il se passe quelque chose, si y a des graduations, il y a même des trucs extrêmes, mais quoi qu'il arrive, ça va finir par raconter quelque chose. Mais ce principe
que malheureusement les gens, génération flocon de neige dans lequel on est en train de baigner, ne comprennent pas que les actions, ils ont des conséquences. Ils ont oublié ça. Eh ben ouais, les actions, ils ont des conséquences. Voilà. Donc, quand tu vois qu'il y a une différence de comportement entre le joueur, le personnage, et aussi son implication dans la fiction, et aussi dans son implication de vouloir interpréter un rôle, le protagoniste, tout comme le héros, ils ont ça en commun. C'est-à-dire que si une personne est un héros peut tomber, un héros peut faire des erreurs, mais un héros qui enchaîne les erreurs ou qui se voit comme une espèce de phare dans la nuit alors qu'il fait des actions négatives, forcément ça finit par le desservir. Ce qui rassemble le protagonisme et l'héroïsme, c'est que finalement l'implication qu'ils ont dans quelque chose, et l'implication et le cœur qu'ils y mettent à l'ouvrage, mais aussi des raisons pour lesquelles ils le font, c'est ça qui va finir par fédérer. Le personnage illustre étant neutre, ses ambitions et aussi ses intentions forcément sont des éléments de motivation, donc ont moins de poids que les deux autres figures. C'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas dans cette vidéo. Et voilà, je pense que c'est tout pour la différence entre la différence ou la comparaison entre le protagonisme et la figure de l'héroïsme. La seule chose que j'aurais peut-être à dire en conclusion, c'est que finalement, on se rend compte que les définitions sont peut-être beaucoup plus complexes qu'ils ne le devraient, et qu'il faut faire très très attention aussi aux éléments qui sont mis en place par le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est vraiment pas mal de choses, hein. On fait de la fiction, on interprète un personnage, des fois on se projette dans un personnage, des fois il y a du bleed, des fois il y a des mécaniques, il y a plein d'éléments à prendre en compte, et le maître de jeu lui-même qui est censé gérer certaines choses, lui aussi il a un poids sur cette définition. Après, je suis sûr qu'à un moment il y a quelqu'un qui est derrière l'écran qui va se dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'être un héros ou un personnage illustre ?» Exactement. Et ça sera le but de la partie 3 d'expliquer un petit peu tout ça. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.